Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir la Gloria du mois de décembre. Ça y est, c'est parti. Je crois que les box vont commencer à arriver tout doucement parce qu'on en a eu, on a eu une box hyper tôt ce mois-ci. Puis après, depuis, plus de nouvelles, plus rien. Sachant que la Gloria, il y a encore un souci. Vous savez, avec le mois dernier, j'avais pas trop bien suivi, mais il y avait une fameuse petite palette qu'on devait recevoir déjà au mois de novembre. Et finalement, ils avaient remplacé avec un produit de chez MAC, un rouge à lèvres MAC. Je vous avoue que c'était pas sans ma préférence. Et apparemment, il y a encore un souci au niveau de la douane, etc. sur ce produit-là. Donc du coup, on ne l'aura pas tout de suite non plus. Ils ont préféré envoyer les box. Et donc, on recevra la palette plus tard. Alors, j'ai pas trop bien compris si on va les recevoir après en hors box ou on recevra au mois de janvier. Voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, on a encore cette fameuse palette en stand-by, en attente de réception. Bref. On va découvrir la Gloria du mois de décembre, c'est parti. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. D'ailleurs sur Instagram en ce moment, comme c'est les vlogmas, tous les jours je vous montre en photo donc le contenu de mes calendriers. Donc si vous voulez pas me suivre sur YouTube tous les jours, malgré que c'est dommage pour vous parce que tous les jours vous avez un petit cadeau à gagner en concours, donc n'hésitez pas à me retrouver tous les jours, mais je sais que vous êtes déjà nombreuses tous les jours et ça me fait chaud au cœur. Donc bah c'est parti, découvrons la Gloria. Également, si cette box vous intéresse, j'en profite encore une dernière fois, vous pouvez utiliser mon code de parrainage, vous permettra d'avoir une réduction de 3 euros, voilà, sur la Gloria. Donc si elle vous plaît, elle est pas très très chère, elle coûte une quinzaine d'euros, donc au moins 3 euros, c'est plutôt sympa. La boîte est super jolie, alors je vous montre juste le couvercle, mais je trouve qu'elle fait son effet. Voilà, elle est jaune. L'éblouissime de Noël. L'éblouissante de Noël, pardon. Donc voilà, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup ce petit design là, spécial fête. Alors on commence par l'étape 1 qui est un produit de la marque Symbiosis, qui est ici. Donc c'est une crème de jour et de nuit d'une valeur de 113 euros. Voilà, 113 euros, les 30 ml, c'est extrêmement cher. Elle apaise, anti-âge, lissant, régénérante. Ce que j'aime surtout, moi, c'est le fait qu'elle soit jour et nuit. Ça évite d'avoir 36 000 tubes sur soi, enfin dans sa salle de bain ou quoi que ce soit. Le fait que ça soit une crème de jour et de nuit, je trouve ça hyper pratique. Voilà, je ne sais pas vous. Symbiosis, j'ai déjà eu des produits de cette marque-là. C'est plutôt une bonne marque. Donc voilà, un bon gros tube. Un certain prix. On continue avec l'étape 2. C'est donc un produit, un enluminateur de teint. Voilà. Enluminateur de teint Omikuji qui a une valeur de 49 euros. Donc il a l'air. Alors je ne sais pas si vous verrez les teintes. Un peu beige, crème, pailleté. Avec une petite pipette, ça a l'air sympa. Par contre, je vais pas l'ouvrir parce que je vais pas l'utiliser. En plus, c'est un énorme flacon. Je vous avoue que moi, j'aime bien les teints assez mat et mettre une toute petite touche de brillant, mais vraiment pas souvent, pas tous les jours en tout cas, parce que j'aime pas trop ça. Voilà, c'est pas trop mon délire, moi, les teints lumineux quoi. Après, option, ce que vous pouvez faire, c'était l'une d'entre vous d'ailleurs qui me l'avait conseillé, c'est vrai que des fois je le fais assez souvent, c'est d'utiliser en base à paupières ou même en fard à paupières. Voilà, si vous voulez un truc simple, vous pouvez aussi également l'utiliser en fard à paupières, donc ça peut être une idée. Voilà. Donc je connais pas du tout cette marque là, ça a l'air d'être une marque japonaise. Les effets sont brillants, pigmentés, irrésistibles et scintillants. Voilà. En étape 3, nous avons un rouge à lèvres de la marque Pomponne. Voilà, on connaît Pomponne. J'espère juste que j'aimerais bien que ça soit une autre teinte que l'on a déjà eue, parce que ça fait déjà la troisième fois que j'ai un rouge à lèvres de cette marque là. Et nous avons encore un rouge, voilà. Bon, bah c'est pas de bol, c'est la teinte rubis. Et bon, bah voilà, tout simplement une valeur de 26 euros. Il est intense, hydratant, irrésistible, longue tenue. Alors pour l'avoir déjà testé, parce que je l'ai déjà, effectivement il est plutôt intense, assez pas crémeux mais facile à appliquer et il dure assez, il tient bien sur les lèvres. Donc oui, effectivement. Après au niveau de la couleur, bah, encore une fois,
Bon, c'est les fêtes, il faut du rouge, forcément. Enfin, vous allez me dire, on le sait tous, même si on porte pas, tout le monde ne porte pas du rouge pour les fêtes. Voilà, c'est du brillant, c'est doré et rouge qu'il faut pour les fêtes, même si c'est pas forcément mes couleurs, moi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On continue avec l'avant-dernière étape. Il en manque un peu, hein. De la marque Eugène, je suppose. Oui, c'est ça. La marque Eugène, c'est l'huile visage élixir de nuit. Ah, très très bien. Je l'avais déjà reçu, ce produit-là, et il est très très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce produit. Je l'avais déjà testé, même en petit format, donc d'une valeur de 24 euros. Donc voilà, tous ces produits-là, même rien que ce produit-là, il vaut plus que la box. Hein. Donc si elle vous intéresse, ça vaut vraiment le coup. Apaise, soyeux, efficace, bio. Voilà, donc ses bénéfices durant la nuit, votre élixir stimule la régénération cellulaire. Adapté à tout type de peau, ce soit nourrissant et hydratant, vous offre au réveil un teint vivifié. Donc j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup. En plus, c'est une petite pipette, je vous l'ai déjà dit, une petite bouteille en verre comme ça avec une pipette. Moi, rien que le packaging, déjà, je craque. Et donc, dernier produit que je n'avais point vu, il est tout petit comme ça, il est tout plat. La marque estampillée Gloria. Nous avons... un bijou, voilà, je ne vous le cache pas, un bijou. C'est joli, c'est très joli, c'est une bague en zigzag, voilà, qui me fait penser, voilà, ouverte derrière, donc c'est pratique si comme moi, voilà, vous avez des gros doigts, et du coup, elle est en zigzag doré, voilà. Bon, elle peut peut-être aller sur... Bon, moi, elle me va sur le petit doigt. Après, ce qui est dommage, parce que comme vous pouvez le voir, je ne porte que des bijoux de couleur argent, donc de l'argent, de l'or blanc ou de l'argent. Et du coup, bah voilà, petite bague dorée, elle est toute mignonne, hein, mais clairement, ça ne sera pas pour moi. Alors, elle a une valeur de 19 euros. Et donc raffiné, glamour, gold et ajustable. Et ça, je trouve ça plutôt chouette que ça soit du coup ajustable. Il pense aussi aux doigts comme aux miens. Voilà. Donc bah, bien sûr ça. Alors celle-ci, pareil, ça sera... je pense que je vais vous la garder. Je vous ai gardé déjà quelques bijoux pour les Vlogmas. Voilà, sachez que tous les jours, hein, je vous fais gagner un petit cadeau et il va y avoir quelques bijoux à gagner au cours du mois. Donc restez connectés parce que du coup, je vous ferai gagner cette petite bague. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre pendant les vlogs. Voilà le contenu de cette box. Bon, c'était assez rapide. Elle est très noélique. Franchement, elle est noélique. Après, il n'y a pas, je vous avoue qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, à part la crème de jour et de nuit et le sérum. Finalement, il n'y a que ça qui me plaît. Le reste, bah, le maquillage, bon, du rouge à lèvres rouge et puis un highlighter. Bof, bof, quoi. Bof, bof. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette box, mais en tout cas, moi, voilà, elle est bien, elle est même très très bien, mais elle correspond pas forcément totalement à mon goût, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !